c'est l'accompagner, le décorer et permettre à tous de venir le déguster avec d'autres petites choses aussi. Par contre, nous avons commencé, notamment depuis l'arrivée de Jean, le partenariat avec les autres structures culturelles de la ville. Le Trois Bicêtres et le Pavillon Noir pour le moment, et mis en pratique notre volonté d'aller vers de nouveaux publics, ce qui était contenu dans le rapport d'orientation de l'année dernière, et dans nos projets culturels, mais on était un petit peu dans le starting block, on n'arrivait pas à démarrer, donc l'arrivée des gens a quand même développé la situation de ce côté-là. Et notre volonté d'aller vers les nouveaux publics, je pense en particulier aux jeunes en partenariat avec la DAS, qui nous fait d'ailleurs le plaisir d'être là avec nous ce soir, et à qui l'on doit le chantier de rénovation du podium, qui s'est terminé la semaine dernière, donc jetez un œil, c'est nickel, c'est beau, c'est impeccable. Et vers les jeunes et vers les familles qui n'ont pas toujours l'habitude de venir ici, et je pense à l'association Tous Unis Actifs, que nous accueillons désormais dans nos murs pour certaines de leurs activités. Troisième volet, une équipe dynamique, pas de soucis. Nous aurions aimé cette année que d'autres personnes parmi vous candidatent pour être administrateurs. Nous avons besoin d'être plus nombreux pour mettre en œuvre notre projet sans que cela devienne une charge de travail trop pesante. Mais il est vrai que les jours, même si c'était quasiment trop, au vu du résultat, on n'avait plus que de la joie et de l'envie de repartir pour la manifestation suivante.